Alors, la question c'est comment je monte? Ok. Alors. Zul a prédit votre mort. Il y a un autre joueur à l'intérieur. Zul a prédit votre mort. Merde. Ouais, je galère un petit peu, je vous avouerai. Parce que j'ai des semi-élites sur ma tronche là. C'est un petit peu chaud. Est-ce que j'ai un... Comment dire? Un indice? Zul a prédit votre mort. Là, ça a l'air d'être violent. Par contre, l'autre, il se fait étrangler. Ok. On va passer à l'avant de la cale. Parce que je pense que... Voilà. Il y a lui. Ah, la puissance de Rastakhan est à moi. Vous allez goûter au vent glacial de la défaite. Promise. Alors. Ok. Ici, j'ai quelque chose à fouiller. C'est ici, hein? Non, c'est en dessous. Zul a prédit votre mort. C'est à ce niveau-là. Ok.
Zul a prédit votre mort. Ok, cette carte montre que les forces se déplacent vers le temple de Rezan. Ok, d'accord. Donc apparemment leur objectif ce serait le temple de Rezan. C'est en dessous, faut que je descende à la cale. Zul a prédit votre mort. Oula. Sur lui. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. En même temps, je l'ai passé. Alors, c'est où? C'est pas loin de là où je suis. Excusez-moi. Alors, me voilà ennuyé, est-ce que c'est par là? Ouais, c'est ça, c'est la cale. J'ai un truc à fouiller dans la cale, mais je vois pas. Zul a prédit votre mort. Là-bas. Alors, c'est pas précisément ça, mais. Je peux pas les sélectionner. Non, c'est bon, il dit que c'est fouillé. Il me manque le quartier d'équipage. En fait, il a validé juste quand je me suis approché en fait. Seulement voilà le quartier d'équipage. Ça a l'air d'être ça. Est-ce qu'il y a un truc à fouiller ici? Quelle loi servez-vous? C'est comme il l'avait dit. Je vais regarder par là. Est-ce qu'il y a... Zul a prédit votre mort! Vous verrez comment ça finit. Vous verrez comment ça finit. On va éviter de repasser par là. Non mais il est censé y avoir un truc ici. Oh putain, c'est pas vrai. Zul a prédit votre mort. Je vais passer par là. Zul a prédit votre mort.
Ah, ok. Zol a prédit votre mort. Il était en dessous en fait. Zol a prédit votre mort. Est-ce vous verrez qu'il avait comment fait ça finit. Bon, c'est bon, toutes les... Attends, ils m'ont forcé à dire comment les Darkari, ils avaient fait. Il faut faire vite, ils vont s'en prendre à Rezan. Ok. Donc leur objectif, c'est Rezan. Mais ils vont réussir à buter... Enfin, ils vont réussir à s'attaquer à un loup, enfin... Zul a prédit votre mort. Eh ben c'est bien. Oh, vous êtes en train de combattre, bah oui. Allez, Zul a prédit votre mort. Allez, reviens là. Bien. Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Ok. Je vais l'exposer derrière mon trône en guise d'avertissement. Personne. L'exposer d'ailleurs derrière mon trône. Ok. Bon, je vais essayer la récompense, on va prendre les mules, parce que c'est ce qui coûte le plus cher, mais en soi... Que l'ennemi tremble en vous voyant. Ok. La révélation du chroniqueur, elle est terrifiante. Si Zul a réellement l'intention de sacrifier Rezan, ça n'arrivera pas, mon Loa, je le défendrai jusqu'à la mort. Venez, MJ Normand, rallions le temple de Rezan. Il faut immédiatement mettre un terme à cette hérésie. Retrouvez le roi Rezan au temple de Rezan. Enfin, le roi Rastakhan au temple de Rezan. Rezan vous donne la force. Ce serpent. Mon loa hurle. L'hérésie de Zul est sans borne. Zolani, ma lame jurée. On doit défendre le temple. Si vite je prends l'huile. Non, non, à mon avis, non. Je vais rousser. D'accord, c'est un peu plus. C'est un peu plus loin. Ok, je suis pas loin, c'est... Ok. Prédateur ou proie ? Rastakhan fixe le cadavre du prêtre à ses pieds. Il paiera pour ce crime et ses disciples avec lui. J'en fais le serment. Que l'ennemi tremble en vous voyant.
J'attends l'appel de Rezan. J'entends l'appel de Rezan et je vais y répondre. Mais avant ça, j'ai besoin de votre aide. Nos lois, ils sont très généreux avec nous. Et nous les en remercions en les vénérant. Offrandes, sacrifices et idoles nous permettent de nous attirer leur faveur. Mais pour nos lois, ils représentent bien plus. Ils leur donnent la force. Les chiens de Zul ont commencé à corrompre les grandes statues dorées érigées en l'honneur de Rezan. Sa puissance, je la sens vaciller en ce moment même. Empêchez-les de nuire, purifiez les idoles du grand chasseur, apprenez-leur à respecter la maison royale. Purifiez trois statues de Rezan. Zandalar pour toujours. Je vous écoute. Les troupes de Zul, elles tentent de s'approprier le temple du Loi des Rois. Il faut faire payer à ces traîtres le prix de leur acte. Faites le ménage et débarrassez le temple de ces profanateurs, tous ceux qui crachent au visage des lois. Anéantissez-les, apportez-moi leur tête, que je puisse rappeler aux autres ce qu'il arrive à ceux qui trahissent leur foi et leur roi. Quand vous en aurez terminé avec ces infidèles, venez me trouver l'hôtel de Rezan. Il est au cœur du temple. Au nom de Rezan, les têtes vont tomber. Récupérez 12 têtes des traîtres de Zandalaric. Ma vie pour le trône. Ok, bon, c'est assez... Soyez mon courroux. Je dois retrouver mon Loa avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Par contre, cette théorie des idoles, là, ça... Il faut savoir que ça a vraiment existé, hein, comme croyance, en fait, de... Comment dire Ce qui fait la puissance d'un dieu, c'est la... C'est la croyance qu'on lui apporte en fait. Enfin, c'est les croyances qu'on lui. Il n'existe qu'à travers les croyances et les prières qu'on lui adresse. Ça c'est des théories. Je suis pas un expert en théologie, mais j'ai déjà entendu ce genre de trucs. La tempête se dissipe. Ok. Ok, lui il est aussi paumé que moi, je vois. Excusez-moi, c'est bon, j'ai... Ok, j'ai une des statues qui est purifiée. Alors... D'accord, je peux pas avoir plus de détails, attendez. Hop. Ok, on va suivre ce chemin. On va en priorité libérer les statues. Si je m'attire du monde, voilà, c'est la conséquence pour les... sur 7.
Ok, deuxième statue, c'est bon. Ployez devant moi. Mon Dieu. Ployez devant moi. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas entendu ce terme. Tempête se dissipe. Ah oui, hop. Ah, impossible encore de déplacement. Ok. Et j'ai pas vu que mon marcheur avait disparu. Renvoyez-moi. Bon. À buter. Celui-là, là, et puis ben. C'est bon, quoi. Voilà. On va rendre ces quêtes-là. Bienvenue à Zuldazar. Mon loi, il n'est pas encore mort. À charge pour nous de faire en sorte que ça dure. Rezan vous donne la force. Parlez. Il est temps d'envoyer un message à ces traîtres. Quand on veut faire passer un message, mieux vaut s'assurer que l'adversaire, il le comprenne. Dichuka, Zandalar. Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Rastakhan lutte pour se libérer de ses liens, mais il est hors d'atteinte. Les mogus de Zul a amené ici. Les mogus que Zul a amené ici, ils ont érigé un bouclier qui repousse la magie. Trouver et tuer les créatures qui se dressent entre mon loi et moi. Moi, je dois me concentrer. Pour le combat à venir, ils subiront le courroux de deux rois avant le coucher du soleil. Tuer les tripeurs d'Amgotan et le sombre tisseur gitane. Ok. Que l'ennemi tremble en vous voyant. Ok. Excusez-moi, je baille un petit peu. Okay. Subissez le courroux de la tempête. Un millier de batailles, autant de victoires. Et bah ta millénième, ton millénième combat aura été le dernier. Bon. Je vais broyer votre crâne entre mes mains. Ma vie pour l'empereur. Ouais, c'est chelou comme truc. Bon, ça inflige pas de dégâts, ça repousse juste. Bienvenue à Zuldazar. La voie est libre.
Zandalar pour toujours. Sacrifice de loi. La puissance de Rezen s'affaiblit. Mes usurpateurs, ils ont presque accompli leur tâche. J'ai lu beaucoup de choses sur les horreurs que Zul'Drakkar. Et j'ai vu de mes yeux le résultat de leurs actes. Et dire que cette hérésie, c'est l'un des miens qui l'a apporté ici, c'est impensable. Venez, il faut en finir avec ce traître qui ose cracher au visage des lois. Dit Shuka Razan. Tuer Vilinagdor et interrompre le sacrifice de Razan. Ok. Que l'ennemi tremble, il va regretter cette hérésie. Dit Shuka Razan. Ok. Zul'il avait prédit votre venue. Tout se déroule comme il l'avait dit. Ce monstre se cache derrière le pouvoir de Razan. Je vais le lui reprendre. À savoir que voilà, j'ai réactivé mon mode guerre, donc je tape plus fort. Es-tu encore en vie? Je suis venu te libérer de tes chaînes. Je voudrais, c'est pouvoir avoir une vue d'ensemble. Bon, voilà, ok, il faut que je parle à Rastakhan. Prédateur? Ou proie. Fichons compte ici. Zandalar pour toujours. Allons-y, petit roi. Semons la mort parmi ces hérétiques. Oui, Razan. Il va leur apprendre à respecter la puissance d'un Loa. Vous allez voir. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Comme un mauvais pressentiment. Tel est le destin de ceux qui défient le grand roi. C'est un prédateur exalté. C'est qui lui? Kazolek l'ancien. Ok. Bon. Ok, je dois rendre la quête à Razan. Vous foulez mes terres. Oh, ça va, tu te calmes. Puissiez-vous, Astakhan. Tes ennemis mettent à l'épreuve la solidité de tes frontières. Ton conseil remet ton autorité en question. Tes amis essaient de prendre ta vie. La hache de guerre a été déterrée. Le moment est venu de te demander si tu es le roi ou bien la proie. La vieillesse, elle m'a ramolli. Beaucoup de gens m'ont mis en garde. Même ma propre fille. Mais je n'ai pas écouté. Mais je jure, à toi et aux héros de la Horde,
que je ne m'arrêterai que quand j'aurai la tête de Zul. C'est moi qui viens d'appeler le héros de la Horde ? M'a flatté. Ah, ok. C'est bon d'être le roi. Ah. 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 Serais-je un crash serveur? Serait-ce un crash du serveur? Alors, j'ai aussi mon jeu qui marque ne répond pas, mais... Mais j'ai vu que mon timer était à zéro. Eh oui, c'est une déconnexion du serveur. Eh ben écoutez, je coupe et puis ben je vous reprends lorsque le serveur aura redémarré. Ok, nous sommes de retour. Alors, il faut que juste que le jeu recharge un petit peu. Je viens juste de me reconnecter après avoir fait une petite pause. Alors, attendez, je refais un petit peu le tri dans mes quêtes. Ok. Êtes-vous le prédateur ou la proie? Alors, je suis ennuyé, j'ai aucune quête. Ah oui, non, il fallait parler à Rastakhan. Bienvenue à Zul'Dazar. Nous devons nous battre pour sortir d'ici. À votre signal. Rezan vous donne la force. Ok. Là-bas, j'ai un truc bizarre. Je suis en train de regarder, hein, parce que là, je suis un petit peu... Je sers le roi. Prédateur ou proie? Alors après voilà, j'ai un truc là. Mais ça a l'air d'être... Non, c'est juste un fly classique. Je regarde un petit peu les alentours, hein, s'il y a une quête quelque part. Mais c'est étrange que ça s'arrête comme ça net. C'est vraiment étrange. Avez-vous des antiquités à céder? Je collectionne des objets de plus de 2 siècles. C'est bon d'être le roi. Que l'ennemi tremble en vous voyant. Je sais pas quoi faire. Je vais retourner un petit peu en arrière.
que je ne vois aucune quête là. On va retourner jusqu'à Zeb à Harry, c'est ça, Zeb à Harry. J'aurais oublié une quête, arrive un moment, mais... Ça ne semble pas vraiment être le cas, quoi. Non, visiblement, j'ai pas oublié de quête ni rien. De vol, il est là-bas. C'est assez étrange. J'ai pas eu de comment de dialogue. Enfin, voilà quoi. Après, quand je me suis reconnecté, j'ai pas eu de dialogue particulier. Oui, avant la coupure, le timer dont je parlais, c'est le timer de ma protection résonante. Quand elle tombe à zéro trop longtemps, je sais que c'est parce que j'ai une déconnexion avec le serveur. Bon, je me suis éloigné, je suis revenu. Ah, attendez. Non, bah non. Ah! Salutations, cher monsieur, ou madame. Ok, non, il se balade, lui. Pas trop, Rezan, il parle pas. Je suis... Vous vous tenez devant le roi Rastakhan. Rezan vous donne la porte. Qui est-il, enfant de la Horde? Bon, on va retourner au sceau, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe directement à Azul en fait. Azul Dallar, hop. Wow, c'est chelou. C'est chelou parce que c'est pas vraiment un fly en fait, c'est... Je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que c'est presque plus rapide que les autres fly.
c'est juste une impression. Ah, attendez. Qu'est-ce qui vous amène ? J'étais témoin de nombreux événements importants, j'ai vu l'histoire s'écrire sous nos yeux. Ouais, ok, la suite des quêtes sont là. Donc ok, donc retrouver Karazarlin, lieur de vagues, près de la terrasse des élus, ok. Garde chambre d'un jour. L'intervention de la princesse Talenji, bah oui parce qu'il y a la princesse Talenji dans le, aussi, nous a permis de semer nos poursuivants, son loa est drôlement puissant. Il reste des survivants, nous devons les empêcher de prendre pied en Zand. En Zandalar, cela dit, je crains que nos compatriotes réprouvés ne se laissent s'emporter dans le feu de l'action. Gardez-les à l'œil et rappelez-les à l'ordre en cas de dérapage. Ok. Une bouteille à la mer. La flotte est en pleine ébullition là-bas, dans le port. Des unités aériennes ont été déployées. Elle cherche manifestement quelque chose ou quelqu'un. Ces vaisseaux ont apparu, ont parcouru un long chemin et ils ne sont pas encore au bout. Vous devriez aller voir le capitaine Gresco à tout hasard. Voyez s'il a besoin d'un coup de main. Sans honneur, nous ne sommes rien. Je vais jeter un œil quand même en haut. Quand oui, donc j'ai vu par contre qu'on avait des gardes réprouvés. Qui avait plus ou moins pris la place des Andalari qui étaient. Ok. Non, le trône est vide. J'ai personne au trône. Merde. Bien, alors, on va procéder, je propose qu'on procède du nord au sud. Donc on commence par la terrasse des élus. Et filtre. Peut-être aller un petit peu loin là. Bon, ça va arriver. Ok. Ah.
J'écoute. Ouais, alors je voulais looter. Non, de toute façon, il n'y a pas de loot. Les lois vous protègent. Ok, ok. Voilà, là, y a, en fait, il y a tout un arbre de quête qui vient de s'ouvrir. Ok, donc ici il faut libérer la terrasse des élus, faut libérer en fait le temple d'Andalari pour qu'a plus ou moins été pris par Dieu. Ok. Et je vais invoquer mon marcheur du vide parce que... Ou alors, non, j'ai pas besoin de mon marcheur tout de suite. Je suis trop cher. Je vais plutôt réinvoquer ma succube. Parce que j'ai plus besoin de puissance que de... que de diversion. Elle reviendra. Non, il y a... c'est là-bas mon objectif. C'est drôle ce truc de charme là parce que en fait j'ai l'impression que c'est juste pour un affaiblissement des dégâts mais je n'ai pas de cible. Ok. La grandeur de Zandalar, elle reviendra. En fait, c'est ça. Le roi, là, il attend qu'on fasse le ménage. Alexandre Benalla, quoi. Je vous l'ai dit. C'est tout à fait ça, quoi. On fait la sale besogne, quoi. Ah, d'accord, ok. Alors, la grandeur de Zandalar, elle reviendra. Ok, c'est là que ça se passe. La grandeur de Zandalar, elle reviendra. Merde. Je n'ai pas. Je sers donc le maître de la métamorphose. Perdez jamais la trace de vos ennemis. Choisissez bien votre loa. Ok. Vous avez déjà laissé parler votre côté sauvage. Donc, Ral, Krazak, c'est le traître déguisé en prêtre qui croit. En torturant assez de nos frangins, il réussira à franchir nos doigts. Nos frangins, c'est drôle comme terme. Ses sbires ont même chopé mon mari Ral et ils le retiennent prisonnier au sommet de Zanthul. En temps normal, ça me ferait trop rien s'il le gardait, mais il risque d'utiliser son lien avec Pakku pour fragiliser son loi. Tu es... Attendez. D'accord, ok. Donc Ral, c'est son mari, et puis en fait elle en a rien à carrer, normalement qu'ils sont prisonniers, mais
Mais elle s'associe plus du lien avec le Loa, quoi. N'importe quoi. Et ça, c'est pas tolérable. Allant au sommet de Zanchul et libérons. Ok, d'accord. Tac, tac, tac. Ouais, ok. Et le deuxième, le mur des oreilles. Yasma, la maîtresse des espions. C'est rien qu'une traîtresse. Qu'une traîtresse. Ah! Sur les oreilles pop. C'est ça la forme que vous avez choisie pour vous promener. C'est rien qu'une traîtresse qui adore les saletés à huit pattes. Elle a décidé de s'allier à Zul et elle utilise les enfants de sa loi Shadra pour espionner tous nos faits et gestes. Il faut qu'on bute toutes les araignées. Qu'on voit où cette traîtresse de Yasma, elle sera au courant de tout ce qu'on fait. Eh ben, dis donc. Ne domptez jamais la bête en vous. Ok. Et donc, je suppose... Ouais, ok, c'est dans le... Faut qu'on rentre dans le temple. Ah d'accord, et elle me suit... Ok, bah si elle me suit en plus, ça me fait une alliée, c'est plutôt cool. Arachnophobe, bonjour. Ouais, d'accord, ok. Il y en a un peu partout. Donc on va se concentrer vers l'objectif et puis on tue ce qu'il y a sur notre chemin, quoi, c'est tout. Celle-là. Le Loa, il est puissant ici. Non, vas-y, allez-y, je vous les laisse. Je vais me concentrer sur l'objectif. Ok d'accord, elle a pris l'apparence, enfin il a pris l'apparence d'une araignée. Bon.
Il loot rien en plus. Radin. Ah d'accord, ok. Mon lot a dit toujours Aloha. Il la rend. Hop. Que Parcours voit vos ennemis avant qu'ils vous voient. Donc ok, c'est cool. Je sers Gonk, le maître de la métamorphose. Les cieux sont mes yeux. Voler avec le seigneur de Mephisral jusqu'au jardin des lois. Ok, d'accord. Yasma et Voal, son troll de main, ont rameuté le gros de leurs troupes au jardin des lois. Il se passe quelque chose de louche. Je le sens dans mon esprit. Pacu, elle est en danger. Comme tous les autres lois qui ont des disciples là-bas. Venez, on va voler jusqu'à là-bas pour mettre fin à ces hérésies. Ok. Mon lot a dit toujours partez. Bon, parti. Je sers Pacu, un des plus anciens Loa. Moi je veux bien, mais. T'es censé avoir un point d'interrogation jaune ou alors y a un truc qui cloche? Ne volez pas dans les plumes de Pacu. Choisissez le bon Loa. On va se balader un petit peu dans le jardin des lois. On va voir s'il y a quelque chose.